Allez, vas-y, vas-y, les deux là. Là, le mec avec. Oui, t'as le barbu, viens, prends ta copine. T'es avec qui? Ta copine ou ton mec? Tu choisis, c'est toi qui vois. T'es avec qui? Vous êtes trois, il y a deux places. Il y a... Prends ta femme, mettez-vous là. On va vous soigner, voilà, je vais. Voilà. Et quand ils arrivent, tu disais, là. J'ai choisi un mec qui fait 2m10. Je veux t'enculer ton spectacle. Je veux que tu vois toi, je veux que tu vois. Non, comment tu t'appelles? Marianne. Marianne, ça va Marianne? Très beau prénom Marianne, c'est la France. Bah ouais. Marianne, c'est. En deux mots. Ah, Marie-Anne. Ah. Ah, je suis pas française, c'est Marie-Anne. Vous ne mélangez pas ce peuple. Moi, je suis d'ici. Ah ouais, ouais, ça se voit. Bonsoir. Ouais, c'est, ça se voit que tu es belge. Parce que tu as le seum. Non, elle est pas belge. C'est qui le Renoir? C'est qui? Son fils. Ah, des blancs qui adoptent les noirs, ça existe encore. Ah, c'est papa. Ah, c'est, il est fier, il est sorti de votre ventre. Hé, Renoir. Tu as percé, hein? Ben oui. T'es sorti d'une blanche. T'as percé, frérot. Les autres, le temps qu'il descend les escaliers, je crois qu'il a Ken dans les escaliers là-bas. Il dit, oh, tu m'excites. Waouh, c'est où? Il y a 16 étages, il y a un ascenseur, ils sont passés par où? Donc super, c'est le fiston. Magnifique. Comment tu t'appelles? Nathan. Nathan, super. Et le papa? Papa aux États-Unis. Papa où t'es? Tu connais les Noirs, définis qui part. Non! Nous ne voulons pas des problèmes. L'éducation ne fait pas partie du programme. Nous voulions juste zouker. Madame est enceinte. Putain, c'est rapide, elle était truc, baf. Putain, on dirait Kenji qui n'a pas réussi. Oh mon Dieu, rendez-les-moi. Au rosé de la maman. Tu as mis du miel dans les cheveux, frérot. Comment tu t'appelles? Smaïl. Très beau prénom. Très bon. Rire très mauvais, madame. Les rires comme ça, vous les gardez pour chez vous. Il faut rire quand tout le monde rigole. Tu rigoles pas entre les gens. Ça rigole, tu rigoles pas, ça rigole. C'est pas ça rigole. Non. Smaïl et madame Smaïl, comment? Amina, super. Baby, combien de mois? Il reste trois semaines. Waouh, 9 mois, vous l'accouchez ici. Les Arabes, ils achètent des places, c'est à 6 mois, je m'en bats les couilles. Elle s'est retenue de ne pas accoucher pour voir le spectacle. Tu sais que si tu accouches dans un spectacle, Amina, spectacle à vie, gratuit, pour toi. C'est, ben oui, si elle accouche dans le spectacle. Donc Nathan, quelle origine? Marocain. Congo, non, hongrois, camerounais. Hongrois, c'est la maman, hongroise, et camerounais. Super, je suis le Cameroun. Déjà le Cameroun? Non. Ah oui, parce que papa est là. Il a quitté l'aventure. Il s'est dit, ben oui, je sais qu'il y a longtemps. Il a réfléchi, il est pas con. Il faut payer le loyer. Il y a une nouvelle bouche à nourrir. Bon, mais tenter ma chance ailleurs. Il est parti aux États-Unis, l'enfoiré. C'est normal, à l'époque, il capturait les Africains, il les ramenait aux États-Unis. Il n'a pas compris. Il s'est livré. Je suis là. 400 ans après. Ça fait plaisir. Tu peux éclairer la salle, je vais voir la tête des mammifères avant de commencer. Ah ouais, on n'a pas démarré encore. Waouh, wow, wow, ça monte. Oh, ça va. Vous, c'est les gens qui achètent les places à la fin. Ouais. Moi, c'est eux que je kiffe, parce que eux, ils se sont tac. Dès que les billes sont, ils ont sauté. Ça, c'est les gens qui voulaient voir le. Non, non, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Non, quoi. J'ai pas compris. C'est quoi ton prénom? T'as acheté aujourd'hui ta place? J'ai pas encore payé. T'as pas encore payé? Ça dépend de quoi? De toi. De moi? Mais t'es qui, toi, monsieur? Pas, je viens d'acheter ma place, mais j'ai pas encore payé. C'est qui? C'est un pote à toi, il t'a dit va voir le spectacle, c'est lui?
Tu as dit tu viens, si tu rigoles, tu payes. Non, 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 c'est moi qui ai dit ça, c'est lui qui. C'est lui qui a dit ça. Non, mais je décolle. Il a pas acheté encore la place. Mais les Arabes, pourquoi on fait ça? Pourquoi? On adore emprunter l'argent et pas le rendre. C'est à cause de nous qu'ils ont inventé les huissiers de justice. Non, c'est grave ce qu'on fait. On emprunte de l'argent et au moment de rendre, on fait culpabiliser le mec. Ah ouais, tu veux niquer notre amitié? Moi, j'étais bien, j'ai pas besoin de cet argent. C'est toi qui me l'as prêté, fils de pute. Non. Elle fait craquer les gens. Tu veux niquer notre amitié, c'est ça? C'est ça? Ah, c'est dur, c'est dur. Il y a des mauvais payeurs dans la salle? Il y en a plein, hein? Bah ouais, on connaît tout ça. Hein. On a tous prêté des sous à des gens et ils n'ont jamais rendu. Vous avez connu ça? Bah ouais, ça touche tout le monde, ça touche tout le monde. Donc, ça serait bien de payer tes dettes, d'accord? Et tu dois le rembourser, c'est pourquoi? Parce que tu passes tellement de bons moments que tu as de la buée sur tes lunettes, bah oui, fils de pute, t'as de la buée. Tu as payé double, bah oui. Il a fait le mec, ouais. Espèce de fouine. Comment tu t'appelles? Zacharia. Zacharia, c'est un plaisir. Et monsieur? Hugo. Hugo? Ouais, ouais, c'est Hugo le plus grand. J'ai connu la maternelle. Il a volé mon pain au chocolat et depuis, il ne me lâche plus. Et madame Zacharia? C'est ça? Non? C'est une amie. Madame Hugo, j'ai fait l'absus le premier soir. Madame Hugo, comment vous appelez? Garance. Garance. Très beau prénom, Garance. 18e siècle. Garance. Super, fais attention. Vous allez arrêter avec Eric Diabolique. Moi, je ne mange pas de ce pain-là. Tu fais quoi dans la vie, Garance? Chargée de communication. Il me pose la question, comme lui donne des sous, je lui dis peut-être que toi aussi tu lui donnes des sous et que tu es en garance. Oui, j'ai pas vu ton crâne, toi. J'ai fait pour toi. Tu as fait quoi pour moi? T'as tout rasé? Exactement. C'est bien. Parce qu'il y a des mecs, ils arrivent là avec un genou et sur le côté, exactement, une coupe inversée. Tu vois ce que je veux dire? Tu as envie de retourner la tête. C'est quoi ton prénom? David, ça fait plaisir, David. Alors, écoute-moi, David. J'ai trouvé un ami. Ouais, ben, c'est pas Istanbul, c'est des boules, on dirait une paire de couilles. Lui et lui, on va les réunir, ça va faire une paire. Comment tu t'appelles? Nicolas, ça va, Nicolas? Toi aussi, très beau crâne. Vous avez des crânes exceptionnels, je vous jure. Je joue d'habitude en France, c'est que des crânes fracassés. Je te jure, les mecs, ça se voit, ils ont pris des coups. Vous, ça se voit, des œufs, on a pris soin de vous, je te jure. On dirait des Maltesers, je te jure. Ça va, Nicolas? Tu fais quoi dans la vie, Nicolas? Acheteur dans la construction. Acheteur dans la construction. Tu achètes les briques, le ciment, les... Voilà. Super, ça j'ai compris. Et madame? Mélissa. Mélissa, ça va? Oui. Mélissa, Mélissa, c'est toujours de l'été. Sans chauffer. Oh, vous avez cru que c'était quoi, karaoké? Tu n'es plus pauvre, c'est tout dans la clinique, Mélissa.